Salutations ludiques, c'est Loki, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien, et je suis en compagnie de Rod sur DayZ. Bonjour. Alors, on vous reprend pour une petite vidéo, donc là on est dans le nord de la map, plutôt le nord-est de la map. Yep, je vous montre ça, donc on est sur ce site, la Black Mountain, et puis on va aller se diriger vers la ville donc, de Krasnotav qui est là. Et peut-être même aller vers l'aéroport qui est pas loin, en espérant donc ne pas croiser trop de monde, ou en espérant croiser, en fait on sait pas trop encore. Parce qu'en même temps c'est vrai qu'on est ultra bien équipé, donc si on évite tout le monde en même temps, il risque pas de se passer grand chose. Les rencontres, on les appréciera selon le résultat de la rencontre. Voilà. C'est-à-dire si on se fait pas shooter par un sniper qu'on avait même pas vu, là on va pas être content. Je vais faire une petite pause là, le temps de reprendre mon souffle et de boire un coup. Par contre, je sais pas si t'as vu, c'est pareil, les cantines, on boit plus par coup de 20%, on boit par coup de 25%. Ah, c'est pour ça! Il me reste 75% en effet. Donc, et il y a le. L'indication des la quantité aussi maintenant. Il y avait peut-être déjà, j'avais déjà remarqué. Ouais, ça, je crois qu'il y avait déjà les centilitres, ouais. Enfin, les décilitres. Je t'entends, d'accord. C'est le problème d'avoir un sac vert dans un environnement vert, c'est qu'on le voit plus à la longue. Camouflage. Camouflage, c'est pas un problème, justement, c'est vachement bien. Et on est visiblement un peu au sud de la ville. Ouais. La ville est de l'autre côté un peu de la butée. Peut-être de l'autre côté du tas de sapins surtout. Ouais, par là-bas, il y a la grande grange qui est au sud de celle-ci. On peut déjà aller jeter un coup d'œil dans la grange. C'était le but. Alors, bon, aussi pourquoi on vous a repris? Parce qu'il y a eu des petites nouveautés. Donc, parce qu'on est passé en version 0.31 et plein de chiffres. Ah, c'est toujours une alpha, quoi. Hein. Ah oui, c'est toujours une alpha. Hein. C'est d'ailleurs assez drôle, c'est que la semaine d'avant, donc il y avait des serveurs de test bêta. Ouais, il y avait des serveurs bêta d'une alpha. Ouais, c'était un peu violent quand même. Enfin bon. Et maintenant, il y a le Magnum. Ouais, bien le Magnum, on l'avait déjà. Hein. Ouais, mais maintenant, il y a des munitions pour le Magnum, surtout. Surtout ça, le truc. Alors, dans les changements majeurs du gameplay pour l'instant qui sont en place, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, il y a des changements un peu de taux de loot de certains objets, moins de sacs à dos, moins de M4, c'est le fusil que j'ai là, moins de Magnum aussi, a priori. Ouais, il lootait un peu beaucoup, surtout le Magnum, c'était un peu dans toutes les villes, t'en avais un ou deux minimum, ouais. Donc c'était un peu abusé, quoi. Alors pour les sacs à dos, ils ont rajouté aussi la possibilité d'en crafter, donc des sacs à dos de fortune si jamais t'as pas vraiment pas de chance et que t'en trouves pas. Qu'est-ce qu'il y a encore qui a changé? Ils ont rajouté le fusil de chasse, dont tu peux scier le canon pour faire un canoncier. Donc ouais. Voilà, donc ils ont rajouté la scie. Hein, oui, bah oui. Il était pas là. Donc ça fait deux armes de plus de rajouter, mine de rien. Ouais, ça. Bah ça c'est un kit d'entretien de flingues justement. Ah voilà. Voilà, bon voilà. Je vais en prendre un du coup. Hein. Voilà, et donc ils ont aussi rajouté des kits d'entretien de flingues. J'en suis pas encore servi mais j'en ai looté un aussi. Donc je suppose qu'il va falloir entretenir ces flingues régulièrement pour pas qu'ils tombent en rade. Ça prend deux places. Hein, ouais. L'équipement. Ah attends, il y a un zombie pas là. Je vais voir dehors. Non, qu'il soit pas encore rentré. Ah attends, il est là-bas. Bon, il s'excite tout seul dans son coin, il nous a même pas repéré en fait. Donc dans les zombies aussi, ils ont rajouté donc plusieurs types de zombies qui sont en fait des zombies avec de l'équipement militaire. Donc, qui sont un peu plus durs à buter parce qu'ils ont des protections genre gilet pare-balles.
Personnellement, j'ai pas remarqué qu'ils étaient plus durs à buter. Hein, là. Non, mais c'est bon, c'est de la théorie, mais bon, en même temps, Pas croire les devs sur parole. Hein. la seule fois où j'en ai croisé un, en Ah même oui. temps, je lui ai tiré dessus au Magnum, donc bon. C'est toi qui as tiré, hein? Ouais. Je l'ai loupé, tu vois, c'est comme quoi. Non, Je l'ai tiré dans oh non, l'épaule. non, non, il a saigné, j'ai vu une explosion de sang, mais. Oui, mais bon, j'ai tiré dans l'épaule parce que, je sais pas, j'ai... Voilà. Enfin bon, Non, évite de c'était moi. tirer, là, on approche d'une ville. Ah, ben, pardon. Sortir la hache, hein, je vais faire... Hache des grands-mères. Moi, je, non, je, moi je sors le flingue quand on voit rien, mais si c'est juste du zombie, j'y vais là à chaque côté d'une ville. Hein. Sinon, c'est Sur le difficile. magnum. Hello, nous voilà! Coucou les campouses, attendez-nous derrière des portes! Je sais pas si ces villes dans ce coin-là sont très visitées, mais comme il y a un airport à compter, à mon avis. Risqué. Non, je suis là, je sais pas, je sais que le la partie nord ouest est souvent visitée. Alors, il y a du Ouais. zombie, pas de vent. Elle nous a repéré, bien Putain, mais sûr, hein. comment qu'elle nous a vus à cette distance, quoi? Ouais, visiblement, les zombies ont de bons yeux dans ce jeu. Ouais, tu m'étonnes qu'ils ont de bons yeux. On la voit à peine à l'écran. Si on zoome pas, on la voit pas, mais. Bon, bah, je te Pour... couvre. Tu la prends la hache? Ah oui. Sans Il y a un doute. magasin sur notre droite, ça peut être intéressant. Bon, t'arrives là, Pépette? Je crois que c'est à moi qu'elle en veut, en fait. Je crois qu'elle t'aurait complètement ignoré si tu lui avais pas tapé dessus, quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est les zombies, c'est con. Ah, il y en a un autre C'est... qui arrive. Toujours les prendre sur le côté, sinon c'est pas. Alors, c'est quoi ça? On a un autre, deux autres qui tournent le dos par là. Ouais, je crois que j'en repère un vaguement. T'as dit qu'on avait. Ah ouais, il y a un magasin, effectivement. Je le Un vois, il est là-bas. magasin, là sur la droite, il y a deux zombies qui nous tournent le dos. Ouais, on va leur régler leur compte. Hein. Ce qui vaut mieux pour notre sécurité. Hein. Ah bah justement, il y a un zombie militaire. Donc je vais te le laisser comme ça. Nos amis Ah ouais. Et on va tubeurs pouvoir pourront voir si voir est-ce à qu'ils quoi ça sont loin. ressemble. Ouais, ils sont vraiment pas plus durs que les normaux, hein. Ouais, Un coup de hache et basta. Il n'y avait pas une histoire de récolte de baies ou je sais pas quoi qu'ils voulaient mettre ou qu'ils avaient mis? Ah oui, normalement il est censé aussi, on est censé pouvoir récolter des baies sur les buissons. Enfin, je suppose sur des buissons. Après, il faut peut-être trouver déjà les buissons, les bons buissons. Ouais. Un couteau. Ah, il y a une canette là. Il y a du Pepsi. Oui, donc petit changement mineur. Hein. Ils ont renommé les canettes. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme changement aussi? Donc, bah, une meilleure optimisation des serveurs. A priori, qui marche pas trop mal, j'ai l'impression quand même. Parce qu'on a moins de lag. Hein. Ouais. Donc, on peut espérer. Ça, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'à terme, on peut espérer que les serveurs puissent gérer plus de zombies. Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Dangereux, mais bien. C'est quoi ça? Oh, c'est un. Un charcoal table, c'est il y a des munitions pour Mosin. Ah, oui, faut les munitions pour Mosin, on a ce qu'il faut, hein, parce que je crois qu'on a tous les deux une caisse de munitions pleine, en fait. Ouais, alors j'ai du Mosin, j'ai un peu de tout moi dans ma caisse à munitions, je t'avouerai. Et puis comme on n'a pas de Mosin de toute façon et qu'on Voilà. n'a pas de troisième personne avec nous pour tenir un Mosin, c'est pas une arme que enfin que j'apprécie, qui est pratique, on va dire. Bah donc. Rentrer dans la maison. Ouais. J'avais cru entendre un bruit, c'est pour ça que je m'étais tu.
Donc ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une arme qui est pratique pour snipe, mais au-delà de ça. Voilà, donc c'est pas mal d'en avoir une quand tu joues en groupe. Mais bon, tu peux pas tout baser là-dessus, quoi. Bah, écoute, c'est calme, hein, pas de joueurs dans les environs, a priori. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un lapin! Bon, la chasse est toujours pas implémentée, par contre. Ah bah alors, j'arrive plus à sortir. Ok, d'accord. Ah, j'ai le bug que t'avais avant, toi. J'arrive pas à sortir quand je suis accroupi. Je te rassure, je l'ai toujours. Moi je l'avais pas avant, mais je l'ai maintenant. Ouais, ils ont Y a ça. de nouveau du speed, là, si tu veux. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, hein. Je suis ulti, mais malade. Ah Je oui. suis en bonne santé, mais malade. Ah, moi je suis plus ici, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des stocks un peu de bouffe, que je mange un peu plus que. Y a une banane. Ouais, enfin ça, Pistine! manger des fruits dans le jeu. C'est bon pour la santé. C'est risqué, hein, surtout si c'est des kiwis, hein. Les kiwis, c'est le mal! Non, mais elle est pristine, hein. Bon, bah, je la mange, hein, écoute. Écoute, à chaque fois que je mange des fruits, je suis malade dans le jeu. Bonjour, Sors ta hache, bienvenue. pas tes points, connasse. Que puis-je faire pour vous? Alors, une chose chiante, merde, Oula. merde. Bon, je vais sortir parce que ça me saoule. Se battre en intérieur, c'est la merde. Derrière toi, il y en a un autre, hein. Ah d'accord. Attention, attention, attention. Saigne, je crois, non? Ouais, je saigne. Sors, 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 sors. Oh là là. Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu voulais dire par se battre en intérieur, c'est la merde. Voilà, il vaut mieux sortir, prendre le zombie, l'expliquer gentiment que dehors c'est mieux. Bah alors. Tu le sens? Tu le sens qu'on va mourir? Mais non! Mais si! Écoute, la dernière fois, bon, ok, la dernière fois, on s'est bien battu. D'abord avec le premier, hein, même si toi, tu savais pas trop ce qui se passait. Ah ouais, mais ça c'est vrai que c'est pareil, dommage qu'on ait pas filmé à ce moment-là quoi. Y'a un mec, y'a un mec, pan 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 pan, ça tire dans tous les sens, c'est moi qui suis à l'intérieur du bâtiment avec ma hache. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Oui, c'est pendant ce genre de choses, on pense pas à prévenir l'autre. Je suis toujours en vie. Non, non, on tire comme un taré et voilà. Et ensuite, nous avons été campés. Et ouais, après avoir survécu tout ce qui se passait dans cette putain de base militaire, en sortant, on croise un putain de sniper. Donc, j'ai eu droit à une balle perdue, pas si perdue que ça. Hein. Ouais. Même si je trouve qu'elle était à peu près perdue. Moi, j'ai réussi à m'en sortir en mode Forrest Gump. Merde, un zombie. Mais le Tortache. méchant campeur n'a pas été récompensé parce que à ce moment-là, il y a eu déco serveur, un rollback Merde. et du coup, Rod n'était pas mort. C'est bon? Tu saignes pas? Exactement. Ça va? Non, non, ça va, tout va bien. Je suis en vie. Et ma blessure de C'est pas la base précédente. militaire, ça, c'est un panneau de patelin, ça. Bah là, il y a un patelin, mais plus loin, après le patelin. Oh. Alors. Bon, bah écoute. Ah, la base militaire, on la voit là-bas. Voilà les grands entrepôts. Là, le but, c'est de l'atteindre. Voilà. Et le pire, c'est qu'on y va, mais vraiment par réflexe. En plus, on est bien équipé, quoi. Bah ouais, mais on est joueur, c'est tout, hein. C'est pas. Ah, en même temps, on va pas faire quoi sinon, à part tourner dans le sud pour flinguer les joueurs qui ripop, hein. Bon, il y en a qui le font, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, mais non, moi ça me passionne pas, je t'avouerai. Hein.
Moi, c'est justement, je réserverais bien pour le sud, par contre, après, mais c'est justement pour faire la chasse à ce genre de joueur. C'est toujours assez compliqué, hein. C'est quoi? C'est un joueur qui te voit, qui te tire dessus, donc c'est un PK ou si c'est un tir réflexe? Ouais, y'a pas ça. Ah, c'est toujours. T'es où? Je suis un peu devant toi là. Derrière toi maintenant. Sur ta droite là. Coucou. J'ai vu. Ah putain, c'est vachement découvert quand même. Hein. Ouais, comme tu dis. Hein. Oh, attends, je crois que ça bouge là-bas. Je suis près de la petite maison à Ah terre. ouais, je te vois, je te vois. Ah Mais je m'en putain! fous du béret. Je fais le tour par l'autre côté hein, du bâtiment. Je vais check les fenêtres ouvertes pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Ça a l'air calme. Ouais, je vois du loot à l'intérieur. Badly damaged. À l'étage, s'il n'y a pas un monde. En tout cas, ça peut faire un bon endroit pour venir chercher tes premiers matos, je pense, militaires. Ouais. Comme ça a quand même l'air d'être vachement moins fréquenté dans ce coin-là, quoi qu'attends, le serveur est peut-être tout simplement vide. Bon, il est pas vide vide, mais Non, il est pas vide vide, hein, on a vu plus rempli quand même. mais en même temps, c'est parce que y a pas de baraquement, donc je pense pas que les gens soient énormément attirés par cet endroit-là. Ouais, exact. Surtout que si le respawn est pas énorme dans la zone, Ouais. si ça fait quand même pas mal de choses. La zone est quand même ultra dégagée, donc très sensible au sniper par contre. Voilà. Et justement, ça peut faire un bon spot où se diriger la première fois, je pense, quand t'as pas grand-chose à perdre. Bon, il y avait quand même pas mal de trucs, il y avait un grand sac. Bon, il n'y a pas d'armes. Enfin, si, il y avait une. Bah on a trouvé plusieurs sacs, des sacs à 30 et 35. On a trouvé, on a vu au moins un Magnum. Y a des haches, haches classiques. Ouais, il y avait des haches, il y avait aussi quelques trucs pour customiser les armes. Alors, oui. On peut peut-être Je pas ne monter plus haut, c'est ça? comprends pas. Visiblement, on ne peut pas monter plus haut. Ah bah voilà. Que il m'indique la flèche pour descendre. Descendre, mais pas monter. Ok. On pousse. Bon. Oh. Bah c'est joli en tout cas. Ouais. Ah puis Joli, mais je vais redescendre. on voit la ville qui a attiré mon attention, je crois, en plus de là. Ou alors, attends, c'est la ville qu'on vient de prendre. Non, ça doit être Olcha, ça. Ouais, c'est un chat, ça. Oui, y a la. Comment elle s'appelle? Svetlogarjarsk. M'attire. Port au-dessus Svetlor. d'Olf. Ouais, bah oui, bah oui. Alors, puis ça qu'après, bah, on pourrait aussi, une fois, on va aller jusqu'à Z machin, puis après redescendre le long de la côte. Bah, ça pourrait aussi nous permettre de croiser le nouveau village côtier qui a été rajouté aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui a été On sait rajouté. pas où il est, donc bah faut suivre la côte pour le trouver, quoi. Là, on sait pas où ça a pas. Enfin, nous on sait pas. Il y a des gens qui le savent, nous on sait pas. Ouais. C'est vrai que j'ai pas regardé alors. Et voilà donc Slepotoro. Voilà, tout à fait. Faut que je fasse une pause. Ok. Sérieux. Pause sérieuse Va dans d'ailleurs. les buissons. Prends les feuilles. Boire. Boire, drink, voilà.
aussi, on va pouvoir les recharger. Ouais, j'espère, ouais. Ah, surtout que là, j'ai plus que 2 coups, là. Allez, hop. Ta gueule, le canard. Le canard zombie. Voilà. T'as l'air d'être une église, hein, le centre, le truc... Ouais. C'est... Je vois pas de zombies, pour l'instant, en tout cas. Ce qui n'est pas forcément bon signe. C'est pas mauvais signe non plus. C'est suspect quand même. Ouais. Sur une grande artère d'une grande ville comme ça, qu'il n'y ait pas au moins un ou deux zombies qui se promènent. Par contre, le problème, c'est que j'étais complètement perdu de vue dans les sapins, moi, par contre. Oui, je suis au bout des sapins, je suis contre la maison. Ah, ok. Ah. Oh, ben voilà. Ça va passer. Non-stop. Non, moi, je me suis arrêté derrière toi, pour moi. Attends, hop, je vais quitter. Non, sérieux, je suis mort, quoi. Oh, merde. Je suis sur un machin et je suis mort. Je sais pas pourquoi. Et 10h maintenant. Attends, je vais rejoindre. Midforest, bon, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Oh non, mais je veux pas être mort comme ça, quoi, bordel. C'est nul. Je suis mort. Ah, oui. Tu serais pas avec un bonhomme qui a un t-shirt vert? Non. Ah, bah apparemment, on doit pas être les seuls. Je vois des mecs respawn en boucle. Je vais faire un... Je vais faire un satéral supre. Moi j'ai killé l'application, clairement. Tout le monde est deg. Parce que quand je t'ai demandé si c'était toi en vert, le mec en vert a disparu, il a dû kill l'application aussi. Et après j'ai vu apparaître une petite nanette. À mon avis, on est plusieurs à avoir eu le coup. Bon. Change serveur. Favorite. Alors, hop, où c'est qu'il est? Tiens, le serveur Nemesis. Ah, c'est celui-là. Allez, on croise des doigts pour que ce soit juste un petit bug et que je retrouve mon personnage juste fait. Yes! Tu l'as retrouvé, toi? Ouais. Oh putain, j'espère que ça va être mon cas aussi. Bon, j'ai pris un serveur au hasard, hein, mais... Allez, le serveur de la team Nemesis va-t-il me sauver la life? Hop, mort. Le bug qui fait peur. Ok. Donc, eh ben, si vous jouez sur l'alpha de DayZ, vous le saurez. Si jamais vous avez un plan, un crash serveur qui... Ouais, c'est vrai que j'avais tout, j'avais pas coupé. Ok, désolé, je t'ai coupé. Voilà, donc si jamais vous avez un crash serveur qui vous tue vos personnages a priori, il faut kill l'application dans Ethereal Supre et puis recharger sur un autre serveur et avec un peu de chance. T'as lancé, c'est toi? Ouais, c'est moi. Parce que sinon, je tire, hein. Oh, c'est moi, c'est moi. Pa, je sais pas où t'es, mais je tire. Pa. Y'a un couillon qui va courir. Je l'ai, je vais pas le louper, t'inquiète pas. Juste un petit conteneur à gaz. Ah, là y'a des trucs aussi, c'est quoi? Ah bah y'a de la corde, je vais essayer de la prendre si j'ai de la place. Ça prend combien d'emplacements la corde? Un seul emplacement. Comme ça, bah si je trouve un sac à patates, je pourrais crafter un sac de... On va faire un essai. On va essayer.
C'est moi qui bois, n'aie pas peur. Ah! J'ai trouvé une bombe de peinture noire pour teindre. Ah bah je vais pouvoir faire le test, tiens. Alors je vais juste virer un truc. Ça. Je vais prendre la bombe de peinture. Donc le serveur là repop, restart toutes les 3 heures, à 1 heure, à 4 heures, à 7 heures et à 10 heures. Comment je fais pour m'en servir? Apparemment, oh, je... Alors, non. Non, bah écoute, apparemment je peux pas teindre ce que je voulais teindre, donc... Peindre au sol ou des conneries comme ça? Non, tu peux teindre des... Par exemple, tu peux peindre un Mosin. D'accord. T'as lâché du bois, c'est normal? Ouais, bah je vais récupérer. Bah, c'était pour faire de la place à la bombe de peinture, en fait. Donc, je vais essayer de voir si je pouvais teindre mes doubles chargeurs, vu qu'ils sont blancs, là, en noir, pour les mettre de la même couleur que l'arme. Mais ça ne marche pas, a priori. Là, tu peux pas encore tout peindre, donc... Ça prend deux places, quoi, waouh. Ouais. Je peux pas le prendre en main, ok, alors. Prendra. Et... peint quelque chose mais ça se voit pas. T'as peint quoi? Ah si, j'ai peint mon hard hard hand noir. Mon truc de mon arme. Il était vert avant. Ah il était vert. Ça peut être utile en effet si t'as des objets, des pièces d'armes un peu trop flashy. Ah tiens, le casque. Ah, oui, c'est vrai. Mais ça peut être une façon de se customiser aussi. C'est toi qui as le fusil rose? Ouais, c'est moi, bon, je tire pas. Par exemple. Je sais, il y a un portail, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Et là, l'escalier. Parfois des trucs intéressants dans ces heures-là. Plus quand tu veux te stuff que quand t'es déjà stuff, mais... Oui, ah bah, mais quand t'es déjà stuff... Hein... Y a rien. Et pas un sac de patates? Peut-être... Si, burlap sac. Ah bah tiens. Overhead. Ah, c'est pour se couvrir la tête, d'accord. Ouais, bah tu peux mettre ça aussi. Alors tu vois plus rien, mais tu sais, par exemple, si tu prends des otages, tu leur mets ça sur la tête. Ouais, pas con. Alors, je vais juste poser par terre quelques trucs. Bah, j'ai posé le défibrillateur, j'espère qu'on va pas le perdre. Attends, tu te promènes avec un défibrillateur. Voilà, donc j'ai le burlap sac, j'ai les cordes, donc je fais l'un sur l'autre. À la craft, courir bag, with rope, and burlap sack. Bah, je l'ai crafté, la question c'est où est-ce qu'il est maintenant. Il a dû finir par terre à mon avis. Ah bah oui, il est par terre, en bas. Le défibrillateur, par contre, je sais pas où il est. Hein. Bah, j'espère qu'il est avec. C'est ça, voilà, on a un sac à dos improvisé, 12 emplacements. Ah ouais, pas mal. Ah, 12 quand même. Ouais, j'avais vu 8 dans les vidéos de Marsus et Mojel, justement. Et c'est avec quoi? Du bois et de la ficelle? Ouais, et une corde, tu sais, une petite corde noire, ça prend une place dans l'emplacement. Ah, c'est peut-être parce que t'as du bois avec. De quoi? Bah, t'as pas les trucs à attelle?
Ouais, non, mais ça me bouffe... Il y a du bois sur le skin, mais ça bouffe pas de bois pour le crafter. D'accord, non. C'est juste la corde et le burlap sac, en fait. Bah écoute, si jamais il y a un joueur qui vient Bah, il aura un burlap sac. dans Voilà. les 3 prochaines, dans les heures où le serveur a pas reboot, il aura ça. Et donc, c'est pas une petite clinique, là. Non, c'est pas grand-chose pour Ah, bah, tu voulais l'instant. une cantine, il y en a une là. Non, mais c'est bon, moi j'en. Ah, une cantine, ouais, oui, cool. Puis elle a l'air pleine. Par contre, j'ai pas regardé si elle était en bon état, mais. Ah, la mienne est ruinée, alors. Ouais, ça peut difficilement être pire, quoi. Christine, bon, hop, ah, bah, il me reste 2 places, donc je vais garder la ruinée en attendant. À côté, quoi, heureusement que tu l'as vu, hein. Je suis parti de l'autre côté du bâtiment, je suis au niveau des Je te suis, escaliers. je te suis. Voilà. Je m'approche toujours de ces petites boîtes-là au mur quand et je les Ouais, au tape cas parce où, que des mais. fois il y a des objets que tu vois pas, mais en fait tu peux ramasser des trucs de soin, quoi. Ah, oh, mon vieil ennemi. Comment se retrouve? Le Rotten Kiwi de l'enfer. Des balles pour fusil et pour pistolet. Ah, oh, merde, je suis bloqué. Alors le couloir. Ouais, c'est un hôpital, hein. Ah, Enfin. je crois qu'ils ont rajouté des portes ouvertes. Non, il y en avait déjà. Ah bon? Je me rappelais pas que dans ces bâtiments-là, on pouvait rentrer dans ce couloir, en fait. Si, mais les portes, parfois, elles sont galères à voir et à ouvrir. Des allumettes. Lila Majed, ça ne fait pas grand-chose du. Et dommage, c'est le distributeur à soda, tu vois, tu peux pas essayer de l'ouvrir ou des conneries comme Ouais. ça. On croise pas mal de sticks de bois par contre, hein, en ce moment. Ah bah voilà un shotgun. Ah, cool. Vraiment le fusil de chasse. Ah, et puis il est en bon état en plus. Ouais. Bon, après on est équipé de M4, hein. Bon bah par contre dans ce couloir là on peut pas ouvrir de porte. Bon je t'avoue que j'ai pas pris de munitions pour ce gendarme donc Non, bah moi non plus j'en ai pas, non. Bah au bout d'un moment tu peux pas stocker des munitions pour toutes les armes. Bah, ça fait pas un mauvais endroit pour déco. T'es passé où? en haut. Ah, Elle. j'avais pas vu qu'on pouvait... Je pense que je vais déco sur la pièce du haut. Ah oui, y a rien. Okay. C'est qu'il faudra prendre l'échelle pour redescendre, c'est tout, mais. Et il y a une pomme en bon état. Enfin, damaged, mais elle est pas rotten. Ah. Ouais, bah en plus, attends, on a même une échelle carrément pour redescendre tout en bas, en plus du bâtiment à l'extérieur. Ah, bien, cool.